nous devons encore préparer ce qu'on appelle le mur à Redan, époque Napoléon Ier. Donc c'est un deuxième chantier. Le troisième chantier sera la rénovation de l'écurie, du toit de l'écurie. Et le tout gros chantier, ce sera la terrasse sommitale qui prend l'eau et qu'on doit absolument réparer très très rapidement. Donc l'association comporte 200 membres et au niveau du bénévolat actif, nous sommes 20 personnes à ouvrir le fort, à travailler la muséo, à accueillir des groupes guidés en semaine et nous ouvrons le fort d'Ambleteuse uniquement le week-end. Et avec cette petite équipe, nous arrivons quand même à une fréquentation de 6 000 personnes par saison.